Nous sommes à une rencontre de prière, oui ou non? Oh, amen. Nous allons prier et nous allons entendre aussi la parole de Dieu. Amen. Mais bien avant même que nous n'entendions la parole de Dieu, nous allons prier. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Je dis au début que le Seigneur Jésus a dit ceci. Lorsque nous ferons la main, il dit allez le dire ce que j'ai dit. Il est en forme. Je suis venu pour délivrer les âmes captives. Je suis venu pour libérer ceux qui sont dans les chaînes. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, Papa, oui, nous sommes heureux comme des siens. Père, ce matin, notre joie déborde, Seigneur. Papa, le moment est venu où tes enfants sont assis, alors que ton esprit descend afin d'enchaîner. Que ton esprit descende pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Que ton esprit descende pour ouvrir les oreilles de ceux qui n'entendent point. Seigneur, le moment est venu, ceux qui sont retenus dans les prisons. Prison des religions, prison des traditions, prison des coutumes maintenant, alors que la puissance de la parole soit libérée maintenant au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, nous contestons toute présence maléfique en ce lieu. Alors nous renversons toutes les puissances. Nous renversons tout règne satanique. Nous rétablissons en ce lieu. Nous parlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la terre s'ouvre maintenant. Partout où les pouvoirs sataniques sont logés, afin d'interférer, afin d'empêcher que la gloire de Dieu descende dans la vie. J'ordonne maintenant que la terre les avale au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton épée descende au milieu de ton peuple, papa. Toute main qui va se lever, Seigneur Jésus, pour détruire la parole, que cette main soit taillée au nom de Jésus. Amen. Que cette main soit taillée au nom de Jésus. Amen. Que cette main soit taillée au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que ta parole maintenant soit comme le feu, soit comme la lumière, afin d'éclairer encore ce village. Merci Seigneur, prends le contrôle dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tellement je suis béni. Et depuis le temps, j'essaie de le dire. Que vraiment notre cœur a été débordé le jour. Oh, vraiment, ton cœur du ça nous a donné envie de travailler encore pour le Seigneur. Oh, vraiment, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, ça nous pousse encore à travailler pour le Seigneur. Oh, et votre choix nous a donné la foi. Alléluia! La joie que vous avez manifestée ce matin, les pas de danse, les cris de joie que vous avez manifestée, ça nous a donné la joie. C'est pourquoi nous sommes encouragés à travailler, à œuvrer ici, jusqu'à ce que le dernier soit sauvé. Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur ce matin va certainement nous dire un mot. Je sais que chacun ici présent a été invité. Chacun a été invité. Chacun a entendu qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Donc, même si ils sont venus par curiosité. Parce qu'ils ont vu des gens en train de chanter, en train de danser. Donc alors qu'on revient, donc là, alors là, quand ils couraient. Si c'était que les gens étaient, les gens se battaient. Donc là, comment on peut les gens se lançaient de canuts là. Tu mets ou quoi, bien au fur. Je suis pas sûr que tous ceux-là seront là. Tu m'as alors que toi, tu mets bien bien au fur. Amen. Donc ce qui t'a amené ce matin, c'est là qu'ils couraient. C'est Jésus. Yesu. Amen. Amen. C'est Jésus. Yesu. C'est Jésus. Yesu. Dis c'est Jésus qui va venir. Il va voir Yesu. Faut garder la main de quelqu'un. Dis c'est Jésus qui va venir. Il va voir pour Yesu le Cambodia. Fais de garder la main de quelqu'un. Dis ma soeur, mon frère, c'est Jésus qui va venir ici. Oh, ma fille. Yesu le Cambodia. Et là, qui t'a amené toi? Je n'ai pas eu le Pose la question. Qui t'a amené? Et là, il y a un peu. Et t'as dit quoi? Après ma vie. Alléluia. Après ma caméra. Amen. Attends, attends. Jésus est merveilleux. Jésus est Jésus est plus doux. Amen. 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 Attends, attends. Amen. Dit que si tu as goûté à Jésus. Après, et si tu vois que c'est tout là. Nicolas Akadi. Faut pas abandonner. Et qu'on a avant. Amen. Amen. Nous pouvons tout perdre sur la terre. Amen. C'est pas bien bien. Nous pouvons tout manquer sur la terre. Tout peut nous arriver. Mais Jésus ne va pas nous quitter. Mais Jésus est dans ce cabot. Alléluia. Attends. Jésus ne peut pas nous quitter. Jésus est dans ce cabot. Et toi aussi tu ne veux pas abandonner Jésus. Il est frère quand Jésus là. Amen. Attends. Bien aimé, lorsque tu vois. Oh, il va mourir là. Il va mourir là. Lorsque tu vois. Il va demander bien là. Quand tu vois ton prochain. Nikaïta est ton nom. Quand tu vois ton enfant, ni qu'elle t'a dégagé. Quand tu vois ton mari, ni qu'elle t'a dégagé. Quand tu vois ta femme, ni qu'elle t'a moussouillé. Ça te fait quelque chose, non? Avec quoi donc est-ce là? Oh bien, allez-y. Et lorsque un jour, l'on crée cette personne que tu as pu de voir, allez, mon ami, va y aller, voici bien. Que tu as pu de te toucher, et va voilà là. Cette personne qui te donne de temps en temps à manger. Ah ben, tu me le dis moi. On dit que la personne est ici. Au bas, quoi, l'on crée dans la tigre banne. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, le grand témoin, voici qui là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Quand on apprend qu'un de ses parents, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait mal.
Avec la tête. Avec mon Dimi. Tape sur la tête. Je dans les yeux. Dans les oreilles. Dans le cœur. Et du tout là. Ça fait mal. Avec Dimi. Pourquoi ça fait mal? Mon corps s'en va, mon Dimi. Parce qu'on vient de se détacher de quelqu'un. Parce que fait un nombre là. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mon ami, amen, amakan. Amen. Quelqu'un, vraiment, quand la femme, quand on le voit, mon ami, n'aime pas. On a la joie. Hein, tu soutiens. Imagine que tu as un seul enfant. Le seul enfant que tu as. Et l'enfant te donne la joie. Dans son amen, tu soutiens. L'enfant te donne la gloire. Amen, ouais, c'est bien. Partout tu vas. What you à cause de cet enfant, on t'appelle mère. À cause de cet enfant, on t'appelle père. Et cet enfant, allez, te donne la joie. Alléluia. Et un jour, mais l'ombre, cet enfant meurt. Allez, alléluia. Quel que soit ce que tu vas lui ressentir, cet enfant ne pourra plus revenir. Il est mort, non? Et tu gardes cette blessure. Et va aller Dieu ne blague comme alléluia. Tu gardes cette blessure. Et va aller Dieu ne blague comme pendant longtemps. Oh, what did you do? Pendant longtemps. What did you do? Tout le temps de ta vie. What did you promise to make this là? Alléluia. Attends. Tu gardes cette blessure. Et va aller Dieu ne blague comme et c'est encore je veux te parler. Allez Dieu ne blague comme c'est l'homme. L'homme que tu as créé, à un moment donné, what did you do? L'homme s'est séparé de Dieu. Bola à ma bola. Alléluia. L'homme s'est séparé de Dieu. Attends, comme l'enfant chéri s'est séparé de la mère, s'est séparé du père et la mère ou le père sont devenus tristes. De la même façon, alléluia. Donc, de la même façon que papa a perdu son enfant. Avec que maman a perdu son enfant. Et elle est sans enfant maintenant. Elle est sans enfant maintenant. Elle devient malheureuse. Avec elle devient triste. Avec un monument. Parce que la joie disparaît. C'est ce qui arrive à Dieu. Lorsque l'homme qu'il a tant aimé. Lorsque l'homme qu'il a créé. Qu'il a mis. Dans le jardin. Et l'homme est tombé. Dans le péché. On dit que l'homme est tombé. L'homme est tombé. Alléluia. Attends. Je ne sais pas si quelqu'un est tombé une fois d'un vélo. Qui est tombé ici une fois de sur un vélo ici. Qui a pris un vélo est tombé. Qui est tombé moi ici au moins une fois dans sa vie. Qui est tombé moi Amen. Alléluia. Tu es tombé une fois non. Ben tu es tombé qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es blessé. Alléluia. Quand tu es tombé, tu t'es blessé. Et les gens commençaient pas à regarder qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Donc lorsque notre frère est tombé, automatiquement il est à terre. Amen. Et il a une lourde blessure. Et qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait les coqs, les poulets, les coqs, les moutons, lorsqu'il est tombé, eux tous vont fuir. Ceci s'est passé. Lorsque l'homme est tombé, pas comme ça dans le jardin. Les animaux disent quoi? Oh, ce qu'on nous dit. Non, c'est de tomber. Notre patron est tombé. La vie se déchire, lorsque l'homme est tombé, l'homme a été privé de la paix.
été privé de la joie. Automatiquement, l'homme a cherché quelque chose. Il y a des amis, amis, et là, l'homme a commencé par se tourner. Les choses que vous connaissez. Certains se sont tournés dans les forêts. Certains se sont tournés vers les montagnes. Certains sont allés voir les communs. Alléluia. Pour chercher la paix. Pour chercher la sécurité. Pour chercher la guérison. Et en allant faire ces choses, ces choses sont devenues quoi? Le Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Ce que je veux te dire, vraiment. Ce matin, ce matin, je voudrais que tout le monde soit concentré. Autant qu'à Alléluia. Alléluia. Soyez concentré. Attends qu'à Mirigla. Est-ce que ici, je suis là? Est-ce que vous suivez ici? Est-ce que vous suivez là? Quelqu'un suit là? Moi, ben, voilà. Avec un Jésus. Avec un oui. Avec un foyer. Est-ce que quelqu'un suit ici? Derrière ce que vous souhaitez, avec Jésus. Alléluia. La chute de l'homme a entraîné des blessures, a entraîné des choses qui malheureusement a été poussé vers les choses que tu as créées. Alléluia. Et c'était parce que pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour se marier, il faut aller, il faut rentrer dans la forêt. Il faut aller faire des sacrifices sur la montagne. Il faut creuser des trous. Il va être du haut dedans. Alléluia. Donc on dit. Pour avoir la guérison, pour avoir le mariage. On doit porter des choses sur le corps. On doit mettre des pâtes. On doit mettre des chaînes. On doit mettre des colliers. Alléluia. Pour que l'enfant ne meure pas. On va dire non, il faut lui mettre des bracelets. Il faut lui attacher des cordes. Comme ça, il va tomber malade. Alléluia. Qui a fait ça ici une fois? Qui a bien de cadre? Pour se protéger de maladies. Alléluia. Écoutez bien. Ce que le Seigneur nous enseigne. Laissez-la plus, laissez-la plus. La plus c'est la bénédiction. Alléluia. La plus c'est la bénédiction. Avec la Dieu bénit cette localité par sa pluie. Et c'est la pluie de la parole. C'est la pluie de l'abondance. Alléluia, maman. La pluie descend dans ta vie. Et arrose ta vie. Avec ta vie. Après d'aujourd'hui, tu vas porter le fruit. Dans ta vie, là, il va être dimanche. Amen. Bien aimé. Le message que nous t'avons donné ce matin. Ce message t'invite à sortir du champ dans lequel tu étais. Je ne sais pas dans quoi tu es maintenant. Dans quoi tu es en ce moment et nous sommes venus te voir. Sur quoi es-tu quand tu es venu nous accueillir? Jésus t'appelle en ce moment à sortir de là. Si tu ne sors pas de là, ta vie ne changera pas. Alléluia. Si tu fais les mêmes choses tous les jours, tu auras les mêmes problèmes. Alléluia. Si tu fais les mêmes choses tous les jours, tu auras les mêmes problèmes. Il faut qu'aujourd'hui tu changes. Amen. Tu dois
va changer, c'est ce changement que le Seigneur veut t'apporter. Le Seigneur me dit de te dire, tu es tombé comme cet homme. Tu es blessé où tu es là. Tu es même perdu où tu es là. Tu es venu par force. On t'a attiré ici. Et quand tu es là, tu te dis, est-ce que c'est un semble? Connaisse mon problème. Est-ce que les hommes qui sont venus, les hommes qui sont venus là, est-ce qu'ils connaissent ma situation? Est-ce qu'ils connaissent ma situation? Et Dieu pense qu'à ta situation. Et Dieu pense qu'à ta situation. Alléluia, tu dois te lever. Et bien, amen. Et bien, oui. Si tu dis que tu dois te lever, et bien, oui, et bien, c'est oui. Pas que tu vas te lever de ta chaise. Pardon? C'est pas que tu vas te lever de ta chaise. Et bien, oui, ta chaise. Tu vas quitter dans ce que tu es. Et bien, oui, et bien, oui, et bien, amen. Après le temps. On t'a remis des choses. On a dit quand tu pars. Un matin. Un midi. Un le soir. Quand tu as bien dormi. Tu as pris un. Un matin. Un midi. Un midi là. Un le soir. Et quel est son quoi faire? Et ami là, tu n'as pas dormi. Oh, son, si tu n'as pas dit, tu as dit peut-être tu as fait un. Il go, peut-être. Mais là, tu n'as pas de. Si tu n'as pas de. Tu as pris deux matins. Il garde ta plan. Tu as le soir. Flau, le midi. Midi, flau, et la situation s'est encore aggravée. Et tu es en train de courir. Et ben, de gauche à droite. Et ben, tu vas voir. Et les gens de l'autre côté. Bon, non, je ils vont te remettre des chapelets. Ils vont te dire quand tu vas réciter. Tu vas agir. Tu as fait ça. Et la même, le même problème continue. Allez, bon, que les gens ne. Tu as fait ça. Et tu continues encore de choix à l'école. Il va aller et bien j'ai l'avantage. Tu as fait ça. Et ta vie va à l'envers. Il t'a si bien là, il y a un. Tu t'es lavé avec tous les savons. Il t'a dit de là. Tu as allé sur toutes les collines. Il t'a lavé pour le peuple. Regarde ta. T'en es là. Tu as allé te réfugier. Il t'a là et il est là. J'ai tous les combien de canettes ici. Il y a combien de canettes. Parce que tu cherches une paix. Aujourd'hui, est-ce que tu as la paix? Est-ce que les choses que tu as vues sur ton cou, est-ce qu'ils donnent la paix? Est-ce que le va il a ici la paix? Les choses que tu as vues à terre, est-ce qu'ils donnent la paix? Ici, là. Est-ce que tu as vu? Les bras solaires. Est-ce que tu as mis sur la main de ton enfant? Et tu as dit qu'en mettant ça sur la main de l'enfant, l'enfant ne va pas tomber malade. L'enfant va malade. Il est malade. Est-ce que le bras solaire a guéri? Non. Allez, allez, habiter. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever dans ce que tu es. Il va pas gagner le bol. Tu vas te lever. Il va pas. Tu vas arrêter de dire moi je connais. Il va pas. Arrêtez. Il va pas. Tu penses connaître Jésus. Alléluia. Tu penses connaître Jésus. Il est préparé sur l'homme. Pour toi, c'est que le Jésus que tu connais. Il est là, Jésus il va le faire. Ce Jésus-là. Allez, Jésus. On le porte tout. On va en dehors. On le met à la maison. Au table, à Bocon. Et toi, Jésus, accroché à la maison. Et toi, Jésus, à Blanc, à Bocon. Toi, Jésus, tu as mis ça au plat. Et toi, tu as mis ça. Toi, Jésus, tu as attaché ça au cou. Et toi, tu as mis ça au cou. Tu as même. Allez chercher même. Habille, toi, mis Jésus sur ça. Et quand tu as mis ça au plat, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas le Jésus que nous. Attends, on va régler ce matin. On va Jésus plat. Alléluia. Parce que le Jésus. Jésus. Le Jésus que tu as attaché au cou là. Jésus t'a appelé Canary. Ce Jésus ne peut rien pour toi. Allez, Jésus, tu es capable de faire. Alléluia. Attends, attends. Tu peux réciter 10 000 fois, merci Jésus. Il peut se faire quelqu'un. Il ne peut rien faire pour toi. Attends, qu'a fait gagner. Toi, Jésus. Il t'a Jésus. C'est ce Jésus qu'on achète au marché. Jésus, nous, va. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus avec le salut, le message du salut. Allez, vos gens, nana, vos dit à ce village. Allez, le moment est venu maintenant. Que la lumière doit visiter la vie. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient morts. Ils sont morts, les gens ne voient qu'ils sont vivants. Ils sont morts. Les gens ne voient joyeux. Mais au fond de leur cœur, c'est les pleurs. Quand ils vont quitter ici, quand ils seront seuls, c'est les pleurs. Parce que la situation ne change pas. Allez, Casino. Le Seigneur me dit qu'il est venu avec le message de la vie. M'a dit quoi, nana, si et vous qui êtes morts, recevez la vie ce matin. Recevez la vie ce matin. Avec distance ce matin. Amen. Comme pour certains, quelqu'un ils sont étonnés de ce qui se passe.
Alléluia. Ce qui se passe, la réalité. Alléluia. C'est pourquoi ce programme, quand le Seigneur nous a inspiré, a venu dérouler à dans ce village, Galeta. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il a réservé à chaque personne des grandes surprises. Alléluia. Peut-être tu as perdu ton mari. Peut-être ton mari t'a quitté. Parce que tu as dit non, je vais suivre Jésus. Ta femme et ta mousseau a refusé de ton pays. Oh, à la tête de Gaïponia. Parce que tu as dit. Vas-y, Gaïponia. Oui, moi je vais suivre Jésus. Mais là, tu es bon. Tes parents t'ont chassé. Et ta femme, Gaïponia. Et tu as abandonné l'école. Gazo, oh, Banéla. Tu es venu dans ce village. Gazo, je suis dans ce village. Pour travailler la terre. Gana, Gabaraga. Parce que tu as dit que c'est toi que tu es Jésus que tu vas aider. Vas-y, Gaïponia, tu es Jésus le bon. Jésus dit, il n'y a personne. Jésus, bon, moi aussi, tu es. Qui a quitté ses parents. Qui a été chassé par sa par son mari. Qui a été rejeté par ses parents. Qui ne trouve pas la consolation. Alléluia. Le Seigneur te console. Ce programme a changé ta vie. Toi aussi qui est là. Il est vivé. Qui est fatigué. Il est là. Dans tant de choses. On te parle de Jésus. Mais le Jésus qu'on te parle. Mais tu sais très bien que ta vie n'est pas bonne. Il est là car on te dit que Jésus t'aime. On te dit que Jésus te bénit. On va voir Jésus bien canon. Non. Jésus ne peut pas te bénir. Dans une vie de pourriture. Jésus ne peut pas te bénir pendant que tu vis dans le péché. Jésus ne peut pas te dire pendant que tu vis avec les femmes d'autrui. Jésus ne peut pas te dire pendant que chaque homme que tu trouves, tu lui ouvres ta cuisse. Non. Jésus ne peut pas te bénir pendant que tu as encore sur ton lit des bouteilles d'alcool. Jésus ne peut pas te bénir pendant que tu as encore dans ta poche des paquets de cigarettes. Jésus ne peut pas te bénir pendant que tu as encore les choses des gens dans ta maison. Jésus ne peut pas te bénir pendant que tu as encore les pailles de funérailles dans ta maison. Tu dois sortir de ces choses-là. Alléluia. Tu dois quitter ces choses. Parce que le jour de salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est maintenant. Alléluia. Et ce, ça ne va pas te rater. Allez, si maman d'attendre, c'est quand tu as quitté ta maison, tu es venu. Et pour l'état, nous, quand même, tu vas pas perdre ton temps. Et quand il manque un caïta, alléluia. C'est pourquoi tu vas rester concentré. Et quand il est venu en Didia, amen. Il faut rester concentré. Et quand il dit cela, c'est tout ce qu'on va te dire pendant ce programme. Il faut le faire. Et quand il est venu, amen. Et je t'invite à prendre une décision personnelle. C'est-à-dire, tu vas te dire aujourd'hui, je vais changer. Si tu prends la décision radicalement comme ça, le programme sera pour toi une bénédiction. Alléluia. Mais ce que je veux que tu ne fasses pas, c'est que je ne viens pas comme quelqu'un qui est venu voir la magie. Quelqu'un qui veut voir le spectacle. Quelqu'un qui veut voir. Bon, si ça marche, je vais prendre. Si ça ne marche pas, je vais partir. Ah bon. Non. Ni Matigata d'abord. Jésus n'est pas un magicien. Amen. Jésus n'est pas un magicien. Dis-lui ça, Jésus n'est pas un magicien. D'abord, il va apporter. Jésus n'est pas un magicien. Il dit que Gina Molmoye. Alléluia. Donc, maintenant, une chose que je veux te dire avant que tu commences les bonnes choses. Et bien, là, on va faire mal. Tu as vu, tu as quitté ta maison, c'est ça. Il voulait être à l'ouvre au canal. Tu as quitté ta maison. Il voulait être à l'ouvre au canal. Toi-même, tu es allé sur la touche, tu t'es lavé. Il t'a là, il t'a fait bon temps, il bon temps. Et tu as regardé tes beaux vêtements, tu as porté un dedans. Et quand il t'a fait nos frères, quand il t'a mis mon dos, tu as appuyé aussi tes enfants. Et tu es venu ici avec eux. On t'a donné de chair, tu es assis. Au cas, tu as un petit peu de temps. Tu veux pas quitter ta maison pour que tu aies un alléluia! Tu ne vas pas quitter ta maison. Laisse ton lit, ton matelas,
Alléluia. Le Seigneur dit qu'il y aura des miracles. Yes, go.
Il voit des miracles. Les sabots qu'on voit ici. Les sous-vendants. Si tu es venu avec une béquille, Jésus va arracher la béquille. Les sorciers qui sont cachés dans la vie des âmes. Allez voir comment ils vont fuir aujourd'hui. La sorcellerie qui travaille, qui détruit ta famille. Est-ce que tu es obligé de venir cacher quelque part dans l'état ici? On va te quitter, tu vas arracher, tu vas pas la trouver. Alléluia. Jésus est venu pour libérer. Jésus n'a qu'à possible. De vos chaînes. Amen. Jésus est venu vous libérer de vos chaînes. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici qu'on a volé leur étoile. Ils sont comme des squelettes. Ils attendent que la tombe encore les enterre. Mais toi, on va pas t'enterrer. Toi, on va pas t'enterrer. Celui qui dit qu'on va t'enterrer sera mort. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'on va te déshabiller sera déshabillé. Celui qui dit que toi, tu vas pleurer, il va pleurer. Parce que Jésus s'est levé pour toi. Est-ce que Jésus va se garder? Alléluia. Pour t'arracher de la mer. Maintenant, toi, tu vas écouter Jésus. Il est venu aller sur la mer. Ce que Jésus te dit de faire, c'est ce que tu vas faire. Si tu es d'enlever les pattes, enlève les pattes. Si tu es d'enlever les boucles, il faut enlever ça. Si tu es d'enlever les pattes, il faut enlever ça. Il ne faut pas résister à Jésus. Tu vas apporter, mais tu vas témoigner. Amen. Donc, vraiment, c'est un programme très très riche. Donc, vraiment, pour le programme de part aujourd'hui. Vendredi, demain, nous allons continuer encore le programme. Mardi, nous serons encore là. Mardi, amen. Mercredi également. Mercredi, amen. Amen. Donc demain, fini. Nous allons beaucoup travailler. Amen. Beaucoup prier. Amen. Tout le village. Est-ce qu'il y a des hôtels ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hôtels ici? Alléluia. Ah, écoute-moi bien. Est-ce qu'il y a des hôtels ici? S'il y en a, tu iras dans ta femme. Alléluia. Amen. Tu vas les casser. Amen. Les hôtels qui sont dans ta maison, tu vas les casser. Les hôtels qui sont dans ta tu vas les casser. Amen. Donc nous allons prier. Le village sera libéré. Dans ce village, on aura des vocables. Dans ce village, on aura le prochain président. Acclamez-y. Amen. Mais vous ne voulez pas être président ici? Amen. Voilà, vos délits vont changer. Alors, donc, vraiment, nous avons beaucoup de choses à vous annoncer. Tout à l'heure, nous allons vous montrer quelque chose. Amen. C'est pour vous montrer. Amen. Amen. Il plus vraiment de ne pas dormir. Si quelqu'un dorme, toi il faut l'aimer là. Pas dormir. Tu as dormi hier, tu as dormi la semaine passée. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser arriver. Ça, c'est la sorcellerie qui fait ça. Alléluia. C'est la sorcellerie qui fait que les gens dorment. Si quelqu'un dort, c'est que la personne est en train de. Est sous le feu de la sorcellerie. Alléluia, il ne faut pas dormir, il faut de la personne. D'accord. Tu vas te debout. Tiens-toi debout. Il va ouvrir. Tiens-toi debout. Il va ouvrir, ça va ouvrir. Tu vas faire cette prière avec moi. Il vient en que. Tu vas dire Saint-Esprit, man. Il vient en pour Nizeni. Saint-Esprit. Nizeni. Saint-Esprit. Nizeni. Non, je n'aime pas ça. Amen. Jésus n'aime pas ça. Alléluia. Je dis qu'on va prier, mais les gens ne sont pas contents. Je dis qu'on va prier, mais les gens ne sont pas contents. On ne va pas prier ici. On va s'asseoir, on va manger. Amen. Si, quand même, on va prier. Dieu prie, vous va prier. Mais alléluia. Pour regarder les yeux de celui qui a. Pour prier.
faut prier. Regarde les mots. Soit détruit.
l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. L'envoûtement qui est en moi, qui me donne le sommeil. L'envoûtement qui est en moi, qui me donne la distraction. Au nom de Jésus, je te détruis. 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 Envoie ton onction. 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 Seigneur, envoie ton onction. Envoie ton onction. Priez, 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 priez. Envoie ton onction. Seigneur, envoie ton onction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie. 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 Alléluia. Vous savez qu'avant qu'on ne vienne ici, le monde des ténèbres est déjà allaité. Alléluia. Amen. Il y a des canards. Ils ont préparé quelque chose. Alléluia. Ils ont préparé quelque chose. Contre la mission. Ils sont allés faire des choses. Des rituels. Ils ont livré des moutons. Ils ont proclamé des paroles. Et ils ont dit ceci. Nous allons envoyer. Oh, missionnaire ici. Missionnaire. Alléluia. Amen. Tu vas lever ta main droite et toi vers le ciel. Oh, il va dire Saint-Esprit. Lève ta main droite seulement vers le ciel. Tu dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tout missionnaire. Tout missionnaire. Des ténèbres. Des ténèbres. Mandaté. Mandaté. En ce lieu. En ce lieu. Dans ce programme. Dans ce programme. Par le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ils sont paralysés. 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 Au nom de Jésus. Ils sont paralysés. Tu vas prier maintenant. Ils ont versé du sang. Et le sang qu'ils ont versé, vous savez, quand on verse le sang, les démons viennent toujours. Toujours, c'est comme ça. Amen. Amen. Et les démons sont descendus. Amen. Pour exécuter leur méchant dessein. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant. Dans les terres. Terre. 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 La terre. 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 De main. Terre. De main. Le sang. Le sang que tu as pu, que tu as pu, dans ce programme, dans ce programme, le sang que tu as reçu, que tu as reçu, dans ce programme, dans ce programme, aujourd'hui, aujourd'hui, ouvre-toi, 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 bois, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, bois, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, bois, bois. Le sang de Jésus, 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 amen, asseyez-vous. Voilà Jésus. À chaque fois que le besoin se fait recevoir sur le mot prier. Amen. Nous devons être libérés. Alléluia. Amen. Tu dois être libéré. Tu ne peux pas partir ici comme ça. Non. Jamais. Alléluia. Amen. Asseyez-vous les enfants. Je vous ai dit de prendre qui est responsable pour veiller sur les enfants. Amen. Voilà les bébés qui pleurent. Il faut trouver un espace, d'accord, facilement pour leur donner du sein. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, le groupe Jésus revient. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu parlait, il a parlé de mission d'évangélisation. Évangélisation. Alléluia. C'est un mouvement.
d'évangélisation. Et notre rôle fondamental, c'est d'aller partout sur la terre, d'aller prêcher la bonne nouvelle. D'aller prêcher la repentance. D'aller prêcher la sainteté. Et la sainte doctrine. Alléluia. Vous savez que dans ce monde, la vérité est chère. Même quand vous allez dans le monde, il y a des faux camions. Il y a des faux petits chats. Il y a des faux petits chats. Combien? Dans le monde, il parle de faux pétitions. Des faux cadavres. Des faux ceci. Des faux cela. Ça veut dire qu'en réalité, bien aimé, c'est la vérité qui sauve. Alléluia. Qui est prêt à donner sa vie à un faux pétition? Qui est prêt à donner sa vie à un faux docteur? Vous dites, un faux docteur n'a qu'à le soigner. Quelqu'un qui ne connaît rien de la guérison n'a qu'à te guérir. Alléluia. Donc le monde est à la recherche de la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui a franchi, maman. Lorsque tu as la vérité, tu as tout. Lorsque tu as la bonne information, tu prends la bonne décision. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de religions? Pourquoi certains dit qu'ils sont catholiques? Pourquoi certains dit qu'ils sont protestants? Pourquoi certains dit qu'ils sont CA? Pourquoi ils sont assemblés de Dieu? D'autres dit qu'ils sont des pentecôtistes. Non, nous sommes des musulmans. Non, nous sommes des animistes. Nous adorons les paroles ici. Pourquoi? Est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi attend cette religion? Pourquoi attend cette communauté religieuse? Alléluia! Le problème fondamental de toutes ces choses, c'est la recherche de la vérité. Alléluia. Celui qui est un catholique te dira que la vérité est un catholique. Celui qui est un protestant, dira non, la vérité c'est un protestant. Celui qui est un évangélique, la vérité ne varie pas.
La vérité est la même hier. Même si nous t'aimons. Est la même chose aujourd'hui. La même chose demain. La même chose pour toujours. C'est ça la vérité. La vérité c'est ce qui ne change pas. Alléluia. La vérité c'est ce qui ne change pas. Amen. C'est ce qui est la même hier. La même aujourd'hui. La même toujours. Amen. C'est pourquoi lorsque les personnes il faut quelque chose. Au cadre, au on dit, est-ce que tu as fait ça? Il ne comment pas parler. Est-ce qu'il a niqué? On dit non, tu as menti. On dit tu as menti. Pourquoi on dit que tu as menti? Parce que la règle que la personne met en place n'est pas la bonne règle. Il a dit ceci maintenant. Il arrive à encore autre chose. Fini avec ta compte téléphone. Alléluia. C'est là où on dit qu'il y a le mensonge. Alléluia. Donc, la vérité, donc, c'est elle qui saute. Ce qui veut dire que même quand tu vois les gens dans le monde, il me dit, ah, ne veux pas aller chez lui. Il dit, c'est un faux. Il te dit, il ne sera pas guéri. Oui. C'est ce qu'on faisait avant. Allez-toi. Avant, on avait chez les féticheurs. Attention. Parce qu'il y a le faux, il y a le vrai. Quand on avait chez les faux féticheurs, on ne peut jamais guérir. On ne peut jamais avoir solution. Mais quand on avait chez les faux féticheurs, on pensait avoir la solution, c'est ça, non? Amen. C'est la vérité qui sauve, en fait. Donc, quand on peut m'en bosser. Alléluia. C'est la vérité qui sauve. Quand on peut m'en bosser. Et cette vérité. Alléluia. Ça n'a pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La vérité est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Je suis la parole. Ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Amen. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, Alléluia. C'est quoi nous parlons de la vérité. Quand je dis, tu es guéri. C'est que la vérité dit que tu es guéri. Que tu sois effectivement guéri. Ni ma faim, ni ta faim. Quand on dit reçoit la guérison, et que la guérison ne se manifeste pas, ça veut dire que c'est pas la vérité. Alléluia. C'est pas la vérité. Et lorsqu'il est guéri, c'est qu'il est véritablement guéri. Et c'est cette vérité que nous sommes appelés. On appelle la saine doctrine. Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est elle qu'on appelle la saine doctrine. Celui qui était catholique. Lorsqu'un jour on lui a dit, Marie, que tu adores, c'est pas la vraie Marie. Marie, qu'on a dit, qu'elle est allée au ciel. C'est faux, elle n'est pas allée au ciel. Parce que dans la Bible, parce que tu es là, je ne l'ai écrit nulle part. On t'a montré que Marie. On a dit qu'elle est montée au ciel. Hein? Attends, tu vas là. Toi-même, tu as cherché, tu n'as pas trouvé ça. Rien qui est gagné, rien qui manque. Donc, ça devient quoi? Un mensonge. Je n'ai pas fait de temps que vous êtes dans nous. Alléluia. Attends, on t'a dit que la croix que tu portes là. Que la croix que tu portes. C'est un signe de malheur. Que Jésus lui-même est devenu malheur pour toi. Il est allé à la croix. Donc tu as dit, moi je ne savais pas. Donc il avait, il était malheur. Moi je ne savais pas qu'il ne faut pas adorer Marie. Donc, alors que comme il était. Moi je ne savais pas qu'il faut avoir les statues de Marie. Et tu as dit, maintenant j'abandonne Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité t'a touché. Et là, la vérité vient. Parce que nous ouvre les yeux. Alléluia. Elle ouvre
ouvre les yeux. Jésus dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Les yeux des aveugles. Quand tu es aveugle, il ne sait pas pourquoi tu as les yeux. Il ne comprend pas non. Celui qui ne comprend pas les choses, celui qui n'a pas la vérité à aveugle. Alléluia. Celui qui n'a pas la vérité à aveugle. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes nombreux à quitter le catholicisme. Et vous êtes rentrés maintenant dans les églises de réveil. Là encore, il y a des choses qui se font là-bas. Et vous ne commencez pas à vous interroger. Ah, est-ce que dans l'église de Jésus, est-ce que la femme va mettre neige sur la tête? Est-ce que dans l'église de Jésus, est-ce que les femmes doivent porter le collant? Alléluia. Donc, bon, on ne commençait pas. Comprends certaines choses. Donc, ceci est dû par la sainte doctrine. Donc, lorsque nous parlons de la sainte doctrine, mon frère, ma soeur, c'est quoi la sainte doctrine? C'est ce que je disais depuis toujours. C'est la doctrine que m'a fait la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu es. Il est dans une communauté. Mais où tu reçois Jésus dans ta vie. Où tu dis que tu as un Dieu. Il va faire un état à la main. Alléluia. Le Dieu que tu as, il s'appelle comment? Le Dieu doit avoir un nom. Le Dieu que tu adores doit avoir un nom. Alléluia. Pour certains, on leur a dit que le Dieu là, il y a le Dieu petit. Il y a le Dieu grand. Il y a le Dieu très grand. Amen. C'est pourquoi c'était bien, il faut aussi de croire. Qui a fait signe de croire ici? Une fois dans le service ici. Moi j'ai fait signe de croire. J'ai fait ça avant. Qui a fait ça avec moi? Signe de croire. Il fait signe de croire. Dis que c'est Dieu. Allô. Pourquoi on fait ce qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc, on nous a dit qu'il y a Dieu le Père, qu'il y a Dieu le Fils, qu'il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, non? C'est ce qu'on nous a enseigné, non? Alléluia. Est-ce que c'est ça qu'on nous a enseigné? Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc nous a dit que Dieu le Père est différent du Dieu le Fils. Et Dieu le Fils est différent du Saint-Esprit. Donc on a trois dieux. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous faisons ça. C'est pourquoi nous faisons ci de moi. Amen. C'est pourquoi tu faisais signe de quoi? C'est compliqué, le Père ne répond pas vite là. Le Fils, réponds-moi. Si le Fils ne répond pas vite, je vais voir Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc on a mis ça dans nos textes. Donc encore quoi, plusieurs dieux. Alléluia. Je vais vous poser une question. Selon vous là. Allô. Combien de personnes ont créé le ciel? Combien de personnes ont créé le ciel? Combien de personnes ont créé le ciel? Tout le monde voit le ciel, non? Le soleil, non? Au moins, je vous pose la question. Qui a créé? Vous dites ça, non? Qui a créé le soleil? Selon vous, combien de Dieu a créé la terre? Allah, Allah, tu m'as le cas,
Alléluia. Attends, c'est des questions que vous devez vous poser. Pour savoir, il y a combien de Dieu. Pose la question. Qui a créé la terre? Qui a créé le ciel, qui a créé le soleil. Est-ce que celui qui a créé le soleil est différent de celui qui a créé la terre? C'est des questions qu'on doit se poser. Amen. Supposons que celui qui a créé le ciel est différent de celui qui a créé la terre. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Celui qui a créé le ciel est différent de celui qui a créé la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a créé le ciel va dire un jour. Moi, je veux que les gens de la terre m'adorent. Alléluia. Celui de Dieu qui a créé la terre va dire non. C'est moi qui ai créé la terre. Donc les gens de la terre doivent adorer. Et le Dieu qui a créé le ciel a dit d'accord. Les gens de la terre ne peuvent pas adorer. Moi je vais fermer le ciel. Alléluia. Lorsque des gens ne vont pas monter dans la tête de quelqu'un, la personne va chercher qui est Dieu. Si le Dieu est Dieu, si le Dieu qui a créé la terre est Dieu, Dieu qui a créé le ciel, on aura toujours problème sur la terre. Alléluia. On aura toujours problème. Amen. C'est la même personne qui a créé le ciel, qui a créé la terre, tout ce qu'elle a fait. Parce que contre nous, il a dit à l'éternel la terre et ce qu'elle en fait. À l'éternel la terre et ce qu'elle en fait. Ceux qui l'habitent. Alléluia. Attendez. Donc, c'est pour vous dire simplement. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Attendez. Qui a créé la terre? Qui a créé tout ce que vous voyez? Alléluia. Qui a créé l'homme? Amen. Attendez. Un seul Dieu. Maintenant, les hommes ont un problème. Les hommes veulent représenter Dieu. C'est ce qui a amené la pensée de plusieurs dieux. Le Dieu qui a créé la terre, on veut le représenter. Le Dieu qui a créé le ciel, on veut le représenter. Ce qui fait que c'est difficile de le représenter. On ne peut pas le voir. Alléluia. Le Dieu ne voit pas Dieu. Alléluia. On ne voit pas Dieu, on ne peut pas le voir. Dieu là, il est ici. Il est en bas ici, il est en Chine, il est dans la mer, il est partout. Celui qui est en Chine va appeler Dieu, Dieu va répondre. Celui qui est à Galata va appeler Dieu, Dieu va répondre. Regardez Dieu. Il est partout là. Et il entend tout le monde. Alléluia. Et il n'est jamais fatigué. Il entend tout le monde. Amen. Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas voir Dieu. Est-ce qu'on peut représenter l'esprit? On peut représenter l'esprit? Non. On ne peut que représenter les choses qu'on voit. Alléluia. Donc, les hommes ont fait des choses et ont représenté c'est Dieu. Donc, nous voyons qu'on ne peut pas représenter Dieu. Dieu est comment?
Alléluia. Attends.
Polo, c'est ça non? Allez voilà. On ne prie pas. Polo. On ne prie pas. Alléluia. Attends. On prie Dieu. Amen. Allah le bateau. C'est Dieu qu'on prie. Allah le bateau. Dieu qu'on prie s'appelle Jésus. Allah le bateau. Donc on prie Jésus. Pas seulement un Jésus. C'est ça la vérité. Allez voilà attends. Le premier élément de la sainte doctrine. Mais uniquement Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que vous ne devez plus ajouter quelque chose à Jésus. Et là, comme à la tu ne vas pas ajouter des places, là pour dire que c'est Jésus. Si tu crois en Jésus, il ne va pas prendre place là pour dire que tu vas être sauvé. Non. Si tu crois en Jésus, il n'y a plus personne. À qui tu vas te confier pour que Dieu t'exauce? Non. Dieu t'exauce directement. C'est pourquoi ce que vous faisiez avant là, vous vous adressez au démon. Quand vous évoquez les Marie, les Joseph, tous quand vous les évoquez, vous leur dites quoi? Oui, Marie. Abou Marie, intercède pour moi. Ah, il va être comment la blague. Intercède pour moi au frère de Jésus. Hier, quand on verra, on est chaud. À tout avec les gens de Marie. Marie t'a brûlé. Ah, Yamoussoukou. Yamoussoukou. Ah, ils ont pas été tapés. Ah, attends, les gens de Marie sont nombreux. Marie t'a brûlé au Kachapé. Amen. Attends, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit. Comment la foi? Que vous ne pouvez pas aimer Jésus. Attends, c'est ta. N'aimez pas aimer Marie. Bien, je suis le personnage. Attends, Marie. Vous ne pouvez pas croire en Jésus et ne pas croire en Marie. Marie est Dieu. Marie est Dieu. Marie est Dieu. Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas la reine. Marie n'est pas la reine. Au ciel, il y a un roi. Dieu n'a pas de femme. D'accord? Alain, Dieu n'a pas de femme. Alain, le roi là, n'a pas de femme au ciel. Il n'y a pas de femme là-bas. Fait, bon. Parce qu'on a dit parce qu'on a fait que Marie est là. Elle arrête. Marie est ciel. Arrête. Donc c'est elle qui dirige le ciel. Marie dirige le ciel où? Elle dirige le ciel. Jésus est le roi des rois. Combien? Jésus est le roi des rois, non? C'est Marie qui est la reine des reines. Marie qui est la reine des reines. Ça là, cette Marie là. Oui, allez Marie. Quand il dit la reine du ciel. Ne pas faire son mot dans mon bain. C'est ça que les sorciers invoquent. C'est ça que les satanistes invoquent. Écoute ma fille, si tu es ici. Et tu te retrouves encore dans ces choses-là. Tu n'adores pas le vrai Dieu. Si tu aimes vraiment Jésus là, il l'adore seulement, il va aller que le bateau. Moi j'aime Jésus. Je ne vais pas adorer Marie. Amen. Donc la foi c'est seulement en Jésus. On n'ajoute pas la foi le chapelet, non. Alléluia. Maintenant, même autre élément de la sainte doctrine. Alléluia. Donc, la foi est seulement en Jésus. Vous ne pas seulement en un seul Dieu. Vous devez croire en Jésus seul. Alléluia. Tu ne dois rien ajouter à ta foi. À part Jésus. Est-ce que tu me suis maintenant? Tu comprends pas un chapelet? Tu n'as pas adoré Jésus le matin. Et à midi, tu vas adorer Marie. Tu vas dire à Marie de parler pourquoi à Jésus. J'ai besoin de deux personnes. Maman aussi. Amen. Je vais vous montrer quelque chose, d'accord? Bon, lui là, c'est Jésus. C'est Jésus, d'accord? Il est Jésus. Amen. Non, c'est Dieu Jésus. Il est Jésus. Amen. Tout le monde est Jésus ici, d'accord? Lui c'est Jésus. Amen. Elle là. Allez-y. Allez-y.
Amen. Elle, c'est Marie. Avec la Marie. D'accord. La vraie Marie. Marie. Avec la Marie, elle est. Je ne veux pas parler de faux Marie. La vraie Marie. Marie la maman de Jésus. D'accord. Attends, bon, s'il vous plaît. C'est elle qui est là. Allô, Benier. Elle, là, là. Allez. Recule un peu. Pas de peine à donner. C'est elle qui veut prier. Allô, amen. Elle veut prier. Allô, d'accord. Elle était. Elle veut prier, elle veut demander avec la peine quelque de chose. Avec la peine de mais elle sait que dans son cœur, donc, attends, c'est Jésus qui accorde ça. Jésus le Père, mis à ma connaissance, Jésus va donner. Vous savez, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Elle sait que quand elle prie, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne. Jésus qui donne. Amen. Donc, elle, voilà ce qu'elle va dire. Elle dit dans son cœur. Vraiment. Mais ce que j'ai là, ça me dit tellement à cœur. Je veux que Jésus m'entende. Me veille sur la vie. Et moi, tu sais qu'elle m'a fait. Amen, Michel. Amen. Donc, elle est allée voir Marie. Attends là, quand Marie fait. D'accord. Gamin. Et tu veux Dieu me disant. Amen. 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 Elle est partie voir Marie. Marie. Il dit Marie. 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 Marie, aide-moi. Marie, aide-moi. Marie, intercède pour moi. Marie, c'est sa prière en fait. Attends, c'est là. Voilà, c'est la prière dans le fait. Amen. Vous suivez? Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Non, quoi d'autre là? C'est Marie. Marie le Vénier. Amen. Amen. Elle aussi. Allez, prendre. Elle veut aussi prier. Allez, prendre. Amen. Elle veut aussi prier. D'accord. Voilà, Jésus qui est ici. Jésus prie. Lui, prie là. Amen. Elle veut demander à Jésus, mais elle voit que. Elle n'a qu'à voir maman Marie à d'abord. Allez, mes frères, elle est partie voir maman Marie, aide-moi. Maman Marie, avec son chapelet. Elle va laisser tout le chapelet. Elle est encore sur le troisième lieu. Tu vas dire, Marie, aide-moi, Marie, aide-moi. Elle aussi, elle veut demander à Jésus. Amen. Et dis non, je vais voir maman Marie aussi. Non, ne me lâche pas. Elle vient encore, elle est derrière. T'as vu? Mais est-ce que tu peux avancer à mon mari? Tu peux lui parler maintenant? Il va non, tu peux pas lui parler. Ben, il va rien faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Allez, mental là-bas. Quelqu'un n'a pas confiance à prier. Allez, mental, c'est là-bas. Quelqu'un ne suit pas, donc il peut s'allier. Donc, maintenant, Alain. C'est pour lui, il reste échappé. Allez, va, quelqu'un, qu'on va échapper et continuer. En reste peut-être le temps de finir le dernier nœud. Elle aura fini pour elle. Donc, elle va rentrer. Oh, Dani, ni Banaba, allez, mental, contre la Jago, ni Banaba, allez, maintenant. C'est là. Marie là. Marie ni. Je suppose qu'elle peut aller prier maintenant. Allez, amène à mon question. Le point c'est que Jésus est sur le trône. Oh, mais comme il met à quoi il est là. Jésus est sur son trône. Maintenant. Marie maintenant là, comment elle va vous bénir à Jésus? Amène à mon cœur. Amène à quel des canaïs. C'est ça la question. Personne ne peut s'approcher de Jésus. Mon titre est car ma grâce est souffrée. Il avait dit qu'il y a des saints qui sont tellement grands, mais qui sont montés du trône. Mais c'est qu'à former les corps, il faut s'approcher au caillon, au caillon, au caillon. Alléluia! Mon titre est cabré. Donc, Marie qui est là, là. Donc, Marie qui ne peut pas s'approcher. Attesté cabré est souffrée. Elle ne peut pas. Attesté. Alléluia! Amen. Maintenant, c'est ça. Le problème, c'est que. Comment veiller? Marie elle-même, elle a fait des prières à faire. Allez, amène à faire, ok. À ta sirve. Alléluia. Marie aussi a des, ses propres besoins. Allez, prends à ma aussi pour Jésus. Allez, prends à Jésus, Darik. Alléluia. Tout donc finalement, tous ceux qui prient Marie là, lui nous la prière ne vient pas à Jésus. Celui qui a dit Marie venir au lieu de la sirve de la fée, Jésus fait. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qu'est-ce qu'elle va amener à cette heure? La prière ne vient pas à Jésus. Autant c'est ce qu'elle va laisser faire. Maintenant Jésus dit. Mais Jésus pour. Je suis là. Mais. Mais voici le chemin. Mon frère, s'il vous plaît. Donc elle a compris que non. Elle est garée. Depuis Marie, elle est venue directement. Elle dit Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Elle continue encore à supplier Marie. Allez, allez voir le droit.
Alléluia. Alléluia. Marie, comme toujours. Maria. Marie dit. Mais ce que je vous ai pris. Je vais pousser dans le sens de la vraie Marie. Quoi? Amen. La vraie Marie. Maintenant, la Marie qu'on évoque. Marie ne va pas ouvrir là. La Marie qu'on évoque. Marie ne va pas ouvrir là. Cette Marie là. Elle est Marie dit. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on Marie la voit? Elle est comment? Amen dit. Elle est esprit. À quelle année? Alléluia. Elle est esprit. À quelle année? Est-ce qu'on est d'accord? En son nom. La Marie qu'on appelle esprit, on ne voit pas. Marie ne va pas ouvrir. Marie avec elle n'y a pas. Cette Marie là. Elle est Marie dit. Ils ont dit. Au Gafogo. Que elle est ressuscitée. Oh, allez, couvrir notre cou. Amen. Donc nous disons qu'elle n'est pas morte, qu'elle est allée au ciel. Donc on avance à quoi? Attends, ça va. Elle est allée au ciel où? Oh, attends, c'est qui? Ça va aller au ciel. Amatrai. Alléluia. Donc, elle est partie faire quoi au ciel? Attends, la moule pèse. Elle est allée où? Attends, la mi. On a dit qu'elle est la reine du ciel. Vous venez à faire quoi? Attends, la. Jésus le roi. Masai. Mais avec la Masai, Jésus le roi. Marie la reine. Yes, ou que la Masai est Kazo. Donc, pour Marie, avec la Jésus va demander à maman Marie, qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Alléluia. Yes, ou que la mi, yes, ma loupe, la taille a dit maman Marie, ma capacité religieuse. Vous voyez maintenant la foutaise religieuse. Akaye, Mikela. Carrément religieux. Milanta, la mère Kela. La petite. Jagoya Koye. Quand Dieu est le sang, il y a un seul médiateur. Ako, Matri, ni. Ce médiateur, c'est Jésus. Momi, ma mon. Celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Mika, Yesu, Yeni, Anyaye, Aka. C'est tout fort, Jésus a vu Dieu. Mika, Jésus, Yeni, Israël, c'est ce qui a vu Marie, a vu Dieu. Elle est venue à Marie et à Matrié. Il n'a pas vu Dieu. Merci à vous. Amen à Matrié. Alléluia. Donc, vous voyez maintenant. Okay, ici, hein. Ceux qui adorent. Mamie, ben. Marie et tout ça. Marie, ben, Batola ou Bébé. Je n'ai rien contre Marie de la Bible. C'est quoi j'ai dit? J'ai pris l'exemple. Amen. Si tu es intelligent, tu n'iras pas directement voir Marie. C'est Jésus qui va le faire. Alléluia. Dans la Bible, Marie a des enfants. Marie était nous babro. Lisez-moi Marc 5. Avec Marc et Loru et Karan. Aidez-moi, je vais expliquer ça. Abba Karan et Jonah. Marc 5. Marc Loru. Marie là. Marie. On dit Vierge Marie. Oh, Vierge Marie. Regardez bien ce que la Bible dit. Abba Frenyama, mais voilà. S'il vous plaît, dis-moi ça. Abba, Max. Max 5. Marc 5. Faut me lire. Max 6 plutôt, 6. Le verset 3. Marc chapitre 6, verset 3. Libre à papa du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude ? S'il te plaît, tu peux lire ça doucement, le verset 3. On parle de Jésus ici. On ne parle pas de Jésus ici. Reprends, s'il te plaît. Le verset 3. Verset 3. Oui. N'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie. Le fils de qui ? De Marie, on ne parle de qui ici ? Marie Tadé. On ne parle de qui ici ? De Jésus. Comment Jésus le fera ? Vous suivez ? On ne parle de Jésus ici. Jésus est un charpentier. Il est le fils de Marie. Amen. Quoi encore ? Le frère de Jacques. Le frère de Jacques ! Qui est le frère de Jacques ? Jacques Tadé, Bademaye. Qui est le frère de Jacques ? Jacques Tadé, Bademaye. C'est qui ici ?
Jono. C'est qui? Jono. Jésus, n'est-ce pas? Yes. Continue encore. De Joseph. De Joseph. Oh, Joseph. Qui est le frère de Joseph? Jean-Claude, c'est Jésus. Jésus. De Jude et de Simon. De Jude et de Simon. Qui est le frère de Jude? Qui est le frère de Simon? C'est Jésus. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ses sœurs, les sœurs de qui? Jésus. Les sœurs de qui? Jésus. On dit ses sœurs. Et ses sœurs. Vous n'avez jamais lu cette parole dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et ses sœurs, on ne parle pas de Jésus. Les sœurs de Jésus. Ah, hein? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Vous voyez, donc la Bible nous dit que Jésus a des sœurs. Alléluia. Amen. Jésus a des frères. On peut donner leur nom. Attends, pas dans son nom. Alléluia. Amen. Voici ce qu'ils ont dit. Au Camille, il faut appeler. Les théologiens du Vatican ont dit ceci. Oh, mais non. Que, en réalité, lorsqu'on dit que Jésus est le fils de Marie. Oh, quoi, Jésus, que là. On dit, qu'on appelle, le frère de Jacques. Oh, Jacques, t'as appartement. Quand on dit Jacques est son frère, en réalité, que oh, c'est. Donc, Jacques, t'as appartement. Que c'est le juif, là. Oh, mais la juif, oui. Lorsque un parent a des enfants. Oh, ni, appartement, qu'il t'a dénoué. Les enfants de ce parent, on l'appelle le frère. Oh, attends, appartement, ton nom, bah, bro. C'est pourquoi, ici, les frères de ton parle. Que ce n'est pas les enfants de Marie. Que c'est plutôt les enfants de la sœur de Marie. C'est ce que les mon père les prêtres prêchent. Pour justifier. Mon père ni prêtre nous au Luba à Kanté. Marie n'a plus fait d'enfants. Jésus confère Marie après Jésus. Que Jésus m'a dévoilé. Oh la petite. Oh, que t'as beaucoup. Que Jésus est le fils de Marie. Oh, Jésus, que là, Marie t'a payé. Jude est son frère. Oh, attends. Jacques est son frère. Oh, Jacques, que là, t'as. Les soeurs de Jésus étaient là. Qu'à attends, attends, monsieur. Moi, c'est pour vous dire sur la parole de Dieu. Qu'à pas ma go, attaque moi là. Que Marie. Oh, Marie. A encore des enfants après Jésus. Oh, Jésus, quoi faire à Dem, tu m'as fait tout. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que maintenant, attends, est-ce que quelqu'un comprend ça avec vous? Oh, est-ce que moi, total. Marie a encore des enfants. Marie a enfanté Jacques. Après Jésus. Ah, Jésus quoi fait? Marie a enfanté Jude. Après Jésus. Jésus quoi fait? Marie a enfanté Joseph. Après Jésus. Jésus quoi fait? Marie a enfanté Simon. Simon. Après Jésus. Jésus quoi fait? Marie a enfanté des sœurs. Après Jésus. Quand Jésus a des frères et des sœurs. Jésus a pas de manquette. Marie est la mère. Marie qui attend. Pomme-toi. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Marie est vierge? Mais est-ce que vous Marie qui a toujours mieux? Non! Marie n'est plus vierge! Marie a été au tout. On dit non, Marie est vierge! Marie a immaculée conception! C'est faux! Ou s'il vous plaît, vous ne lisez pas la parole! Qui et vous êtes incapable de lire la parole! A quand, à fond, quand il a capté la boucle, ça cache la vérité. Si tu ne veux pas, ni t'es ni m'en voulu, cherchez la vérité. Gagne-nous, tu vas mourir, tu vas la tenir en enfant. Et bien, la saben, et bien, la taga, il y a un tassement là. Alléluia. C'est le cas de Dieu encore. Bon, que vas-tu, Marie? Oh Marie, elle restait vierge après Jésus. Oh, arrête là, seulement été à manquer et tiens sur la vie. Jésus n'a pas été conçu. Alléluia. De relations entre Marie et Joseph, non. Oh, allez, à maintenant, tu as dit qu'à Marie était encore vierge. À Marie, elle n'a jamais connu un homme. Marie, tout le monde, quel homme. Et Marie était une jeune fille très pure. En tout cas, elle est un Dieu. Mais elle est un Dieu. À tout le monde, et lorsque l'ange Gabriel est venu, l'ange a dit à Marie, quand tu vas concevoir un enfant, alléluia, et l'ombre du Tout-Puissant sera sur l'enfant. Donc la semence là, qui a donné Jésus là, c'est pas Joseph qui a donné ça. Jésus vous m'a dit. Est-ce que Marie a couché avec Joseph? Est-ce que Marie Marie Joseph Marie qui a connu Marie qui a connu Joseph n'a pas couché avec Joseph. Jésus couché. Amen. Donc, Marie était enceinte miraculeusement. Marie, c'est un miracle. Marie, comment maintenant? La naissance de Jésus. Comment Jésus, comment comment? Alléluia. La naissance de Jésus est un miracle. Jésus, comment il faut?
Comment une femme qui n'a pas connu un homme c'est un homme qui a soit bien contre. On va la traiter comment? De prostituée. Hein? Ou bien, c'est pas ça? C'est pas ça? Mais toi, tu veux que c'est là où? Toi, tu veux que c'est là où? Tu n'as pas connu, on ne connaît pas Marie, on ne connaît pas homme, mais toi, tu veux ça où? Alléluia! C'est ce que Joseph a eu. Oh, Joseph a eu. C'est pas ça là? Imagine, Marie, il fait tout. Alléluia! Mais Joseph. Jésus a testé Europe. Allez. L'alliance de Versailles a commis un peu par fond la vie. Jésus a appelé du mari. Jésus a assis de peu. Je suis pas de Marie. Non, là, tout. Non. J'ai une famille. Famille de ça. Je ne suis pas dedans. Moussou a parlé. Oublie-moi. N'ta là, tout. Hé, en prenant la vie. Alléluia. Attends. C'est ce que je devais dire à Marie. Allô, Jésus, t'as appelé Marie. D'accord, Marie. Tu ne m'écris pas de bonjour. Jamais tu vas dans ma maison. Oh, allez, il est venu avec Patrick Jolie. Tu vas venir avec ton frère, tu as dit quoi? Il vient avec Bapon et Yenéfo. Que le Saint-Esprit a dit quoi? Encore, ni quoi il m'a dit. Que l'enfant là, c'est pour Dieu. Encore, Denis, oh, Matrix à loi. Alléluia. Et il a fallu que l'ange qui a fait de parler encore à Joseph. Parce que, allez, Denis. Allez, mais quelqu'un est où là quand on couche? J'ai été tout le calme. J'ai été avec Dieu. Faut pas renvoyer Marie. Aucun Marie, ben. Alléluia. Sinon, Joseph était sur le point de renvoyer Marie. Joseph, tu veux que la Marie, ben. Est-ce que vous ne savez pas? Ah, tu m'as l'air. Joseph était sur le point de renvoyer Marie. Ah, tu veux que la Marie, ben. Non, j'ai dit Joseph. Faut pas le renvoyer. Aucun Marie. Faut garder. Il va à blanc. Et Joseph, déjà où? A gardé ça comme ça. À blanc. Jusqu'à ce que Jésus. Il soit enfanté. Ah ben, et c'est après que Jésus soit enfanté maintenant. Allez quoi faire Jésus quand Joseph a connu Marie. Allez quoi faire ça quand on a. Comment Joseph va marier Marie, il va pas la connaître parce que Joseph va mourir. Marie va mourir aussi. Hein? C'est quel mariage? Ça, c'est pas mariage. Alléluia! Attends. C'est qu'ils disent que Joseph n'a jamais connu Marie. Bon, encore. Allez, Marie Thomas, Jésus Thomas, Marie Loban. Joseph n'a pas connu Marie, mais Jacques est venu où? Ah, demain, Marie Loni, mais. Jude est venu où? Mais Jude, Joseph est venu où? Jésus Bola. Simon est venu où? Simon Bola. Les sœurs sont venus où? Ouais, attends, donc, Marie, il n'est plus vierge. Marie Thomas, c'est le mot et tout. Après Jésus. Jésus Bola. Mais avant Jésus, elle était vierge. Il y a une affaire à connu tous ces mains. Donc si quelqu'un dit qu'elle est juste, c'est faux. Ni même nous t'a commandé. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce qu'à quel état tout le monde comprend maintenant? Amen. Vous allez enseigner ici. Alléluia. Aucun. C'est quoi nous vous donner ces enseignements? Tout le monde doit enseigner ici. Mon père n'a pas. Tout le monde. Mon père n'a pas. Sur Marie, la vieille. Mon père n'a pas. Marie, bien. Avant la Marie. C'est Jésus qui va prier. Oh, Jésus, il va la Amen. Alléluia. Et l'autre chose aussi, c'est que. Malheureusement, les gens disent que voilà, nous, les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu. On dit que non, les chrétiens, c'est le même Dieu. Notre Dieu s'appelle comment? Jésus. Notre Dieu s'appelle comment? Jésus. Notre Dieu s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Amen. Mais le Dieu des musulmans, c'est Allah. Oh, oui, c'est vraiment ta ma fille. Avec vous savez, Allah et Jésus, c'est pas la même chose. Allah dit Jésus, c'est Christ. Souvent, c'est ce que les gens font. Moi, non, parce que non, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de guerre. Les musulmans, les chrétiens, on ne veut pas de guerre. C'est pourquoi nous adorons les mêmes dieux. Allez, quoi, son amen, allez, m'attiquer mon bateau. Si on adore les mêmes dieux, pourquoi vous n'adorez pas là? N'importe m'attiquer le bateau, pourquoi son amen? Pourquoi les musulmans n'achètent pas la Bible et prier comme vous? Quand vous leur dites que Jésus est venu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est faux, que Jésus n'est pas Dieu, non? Vous les chrétiens, vous dites que les musulmans voulaient les mêmes dieux. Parce que moi, je vois comment vous allez même visiter. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, mais voulez-vous reconnaître Allah comme Dieu? Mais au lieu de Jésus t'a commis, Matri. Alléluia! Jésus t'a commis, Matri.
Écoutez pas aujourd'hui. On vous a menti. Pourquoi on vous a menti? Parce que vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas lire. On vous a trompé longtemps. On vous a manipulé par les choses. Et continue encore de vous manipuler parce que vous ne savez pas lire la parole. Si vous avez chacune une Bible, je vous jugerai longtemps que vous avez sorti de cette prison. Alléluia. Donc Dieu là, Martin, il s'appelle pas Allah. Amen. Alléluia. Dieu ne s'appelle pas Allah, il s'appelle Jésus. Allah, va le maître, c'est Jésus. Va oublier Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un dit, il y a combien de dieux, il y a un seul Dieu. Et il s'appelle comment? Il s'appelle va oublier Jésus. Amen. Attends. C'est pourquoi lorsque vous voulez prier là, il faut toujours prier Jésus. Amen. Priez toujours Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vous a sauvé. Jésus le campus. Qui vous a sauvé? Dieu a sauvé. Qui est mort pour vous? Dieu le Marie. C'est Marie qui est mort. Marie le roi. C'est pas Marie qui est mort pour toi. Marie le roi, c'est Marie. C'est pas José qui est mort pour toi. Jésus, Jésus t'es. C'est pas Jacques qui est mort pour toi. Jésus t'es. C'est Jésus. Jésus. 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 Donc, n'ajoutez rien à la foi. Votre foi. Amen. Avec la foi blanche. Priez seulement Jésus. N'ajoutez rien. Avec celle qui est à Jésus. Jésus me voici. Je suis à toi. Jésus me plaît. Merci. On va l'éveiller. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur, vois mes ennemis. Combat mes ennemis. Et t'as fait que l'on fait ta vie. Mon enfant. Vous n'avez pas besoin de faire des choses. Si on vous a enseigné, il faut faire des sacrifices. Le Jésus qui guérit là, Jésus même, okay. Qui chasse les démons là, avec, qui donne enfant aux femmes là, avec, qui fait enfanter les femmes avec, là, dit-moi. Ne prends pas Kabri. Alléluia. Attends. Il ne prend pas cacao. Il ne prend pas argent. Il faut donner argent. C'est Satan qui fait ça. Je dois avoir l'église. Amen. Jésus vous aide. Vous êtes tout gratuitement. Amen. Il est mort pour chacun de vous. Amen. Il a versé son sang pour chacun de vous. Et vous êtes tous sauvés. Amen. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à payer pour avoir la vie. Pour avoir la guérison. Amen. C'est pourquoi nous sommes venus. Amen. Pour vous annoncer le salut. Pour vous prêcher la sainte doctrine. Je suis tellement heureux de voir beaucoup de femmes ici. Enlever les mèches. Enlever les boucles d'oreilles. Enlever toutes ces choses. Elles ont accepté. On les a dit qu'elles sont vilaines. Qu'elles sont bizarres. Qu'elles sont des vieilles femmes. Alléluia. On dit que tu es vieille. Les gens disent que toi tu es vieille. Qu'est-ce que Jésus a dit de toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu es la plus belle. Amen. Que tu es la princesse du royaume. Alléluia. Vous êtes belle. Amen. Toi qui es encore là avec encore des choses. Il est vivant avec son père trop veille. Nous te parlons. On va faire ma vie. Amen. Nous te prêchons la vérité. Là, au moins, nous faisons ma vie. C'est quoi? Vous devez renoncer à toutes ces choses. Amen. Et celui qui accepte Jésus ne vit pas. Amen.
Celui qui a accepté Jésus doit plus porter le péché. Celui qui a accepté Jésus doit se séparer des choses de Satan. Vous savez, pourquoi vous êtes toujours malade? Vous savez pourquoi quand on prie pour vous, vous n'êtes jamais délivré? Vous savez pourquoi? Lorsque vous allez de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, vous n'êtes jamais délivré. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez déjà les problèmes? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi votre vie va de mal en pire? Vous savez pourquoi les gens veulent vivre dans votre famille? Vous savez pourquoi quand la vie vous tombez, vous retrouvez aussi les tiers à la vie? Vous savez quoi, malgré vos cris, Jésus, Jésus, Jésus. Même avant que les Jésus, Jésus. On vient toujours vous donner à manger. On vient à vous donner à manger. Vous vous retrouvez dans des endroits bizarres. Est-ce que vous avez pourquoi vous n'avez pas la paix? Malgré que vous appelez Jésus chaque fois. Mais avant, Jésus, vous la voyez bien, mais vous êtes sur la terre, Jésus, à terre, Jésus. Est-ce que vous avez pourquoi? Vous êtes sur la votre vie n'avance pas. Attends, si, n'a pas rien fait. Est-ce que vous savez pourquoi chaque fois que vous levez, vous dites que oh, la mort s'approche de moi? Ah bah, il n'y a pas de problème. C'est un hiver. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est le péché. Dirumulu. C'est le péché. Dirumulu. Alléluia. Attends. Le péché. Dirumulu. Le péché. Dirumulu. Le péché. Dirumulu. S'il te plaît. Mais, lorsque ça entre dans ta vie là. Ça bloque ta vie à Dieu. Lorsque le péché, même aussi petit qu'il soit, entre dans ta vie là, ça crée un grand mur en toi et Dieu. Ça crée une grande muraille en toi et Dieu. Et tu es bloqué. Tu peux prier n'importe comment. Il va se faire quelque chose. Tu n'as jamais solution. Il teste et il fait parce que le péché est là. Et tant que le péché est là, sorcier va toujours se trouver. Tant que le péché est là, on va toujours te donner à manger là. Tant que le péché est là, ils viennent toujours coucher avec toi là. On va toujours calanier ce là. Tant que le péché est là, ton mari va tout te chiffrer. Il t'a pour la voix. C'est le péché qui fait ça. Dirumulu va là. Alléluia. C'est le péché qui fait ça. Dirumulu va. C'est le péché. Dirumulu. Oh, j'ai demandé à Jésus. Oh, quand j'ai Jésus. Je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Mais je suis encore malade. Mais je suis sauvé. Mbosila. Mais j'ai encore mari de lui. Oh, merci la tienne. Je suis sauvé. Mbosila. Mais ça n'avance pas. Mais je suis sauvé. Mbosila. Mais ma vie ressemble à quelqu'un qui est encore dans les ténèbres. Le péché. 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 Alléluia. Alléluia. Le péché. Péché. Le péché. Alléluia. Attends maintenant. Ça bloque la vie. Avec ta vie, tu vis. C'est quoi le péché? Mon va dire. Le péché, c'est quoi? Dieu nous a moulé. Amen. Attends maintenant. C'est un péché. Alléluia.
péché, c'est quoi un péché? Exemple. Dis-moi que la jumelle. Un péché. Oui, c'est un péché. Abattement, c'est un péché. À l'un côté, il y a un péché. Et les gens sont. C'est qu'ils soient. Ils ne veulent pas parler. Aussi, ils veulent. Ah, ok, alors, eux-mêmes sont péchés, c'est ça. Alléluia. Attends, attends. L'avortement, c'est un péché. Oh, Dengago. Djumou. Péché. Djumou. Oui, Djumou. Dégarçon, qu'est-ce que vous vol. Vol. Le vol. C'est un ami. Péché. Le carré trompé. 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 Péché. Trompé. Un péché. C'est pas un péché encore, péché. Nous donnons-nous péché. Tu n'aimes pas ton prochain. La haine, c'est un péché. Vous voyez? Péché là. On va finir ici. On sort de côté. On va finir. Le péché là, c'est tout ce que tu n'aimes pas. Oh, ami, ma vie de. Abel m'a dit, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Ami m'a dit, d'accord. Mais vous savez, alors, chacun de vous, Abel, à l'esprit de Dieu. Et Dieu parle dans chacun dans son cœur. M'a dit, avec moi, mon cœur, ma tête de boulot. Avant de partir, il y a une voix qui te parle toujours d'abord. Et quand l'autre gagne, comment, quand elle veut moi, gros. Et tu rejettes cette voix. Il va aller quand il fuit. Tais-toi. Il va écouter. Il va dire, alléluia. Attends, attends. Le péché c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Le mot mi m'a dit à Kano. Lorsque, Wadibi, dans ton cœur, il t'a dit que tu n'es pas ton frère. Il t'a dit que tu es ton Kano, du mot. Lorsque dans ton cœur, il t'a dit que tu ne fais qu'injurier les gens. Eh bien, c'est un péché. Tu insultes les gens. Il va brûler. Lorsque tu trompes, il va mourir. Lorsque tu manques, il va être galotigé. Qui a menti aujourd'hui? Qui n'a pas galotigé? En fait, Jésus n'a pas. Qui a menti aujourd'hui? Ah, galotigé. Pas regarder à gauche. Vous savez, il y a des péchés tellement, on les a tellement commis, on peut même, on les oublie même. On les oublie pour ça. Emma, tu le montres à l'éveil. Emma, vraiment. Amen, il y a là, parce que tellement, avec du monde. Tous les jours, on met le péché. Tous les jours, tous les jours. On peut le péché qui est conscient en lui. Amen, quel vraiment, amen, alors. Et lui, il a dit qu'il n'a pas péché. Il va pas mal du monde. On dit qu'il n'a pas péché. Pourquoi tu ne m'as dit que si tu n'as pas péché, lève la main. Il va dire que le problème n'est pas prouvé. Alléluia. Ça va, t'as. Même si tu n'as pas péché, tu as péché. Même l'image du monde, il a quelqu'un qui a prouvé, il n'y a qu'à prouvé, il n'y a qu'à prouvé. C'est quelqu'un qui m'a compris. Même si tu n'as pas péché, l'homme ne peut pas vivre sans péché. Montrez quand il a besoin de Dieu pour ne pas vivre sans péché. C'est le péché qui vous rend malade en fait. Alléluia. Si quelqu'un essaie de souffrir quelque chose, il entre en lui-même. Allez, il est là. Il pose la question. Et bien, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous donner l'exemple. Maintenant, Jésus vit en passant un homme avec de naissance. La Bible dit que Jésus voyait un homme. Regardez bien. Regardez ce que celui que Jésus a vu. On dit Jésus vit un homme avec de naissance. Aveugle quand? Quand est-ce qu'il est aveugle? De naissance. Lui là, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il est né comme ça aveugle.
Il y a des gens comme ça aussi sur le dossier en vieux. Oh, Yesuka, mon crié. Allez, vangez là, à ma crié. Ils sont des aveux. Ils sont nés avec quelque chose. Ils sont nés avec un problème. Ils sont nés avec une déformation. Ils sont nés avec une situation. Alléluia! Il y a des gens ici qui sont nés avec une maladie. Jésus voyait cet homme qui est aveugle dès de naissance. Il y a un autre mot au montant, il y en a Comment on peut mettre un enfant au monde aveugle? Moi, on va se faire dingo avec un nouvel dingo ni fientoy. Pourquoi il va être aveugle? Pourquoi on va se faire fientoy? Le bébé, il comprend rien. Allez, Kameni. La petite qui l'a vu, cet homme né aveugle de naissance. À carré, et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Ses disciples lui firent cette question. Voilà ce que les gens disent. Rabbi, écoutez-moi bien. Qui a péché? Attends. Je vais répondre à la question que j'ai posée. Attends la parole. Je veux vous ramener à votre problème, à ce qui vous détruit, ce qui a bloqué votre vie, ce qui fait que votre vie n'avance pas. Et vous allez partout à cause de la toile. Vous connaissez tous les combien de Côte d'Ivoire. Amen. Tous les gros problèmes vous connaissez. Alléluia. Il a fait tous les rituels, toutes les cérémonies. Vous êtes lavé sur les montagnes, dans les forêts. Partout, vous avez fait tout. Mais c'est là. Écoute-moi. C'est ce que je veux dire, c'est pour toi. Alléluia. La Bible dit que cet homme est né de naissance. Et voyez ce que les disciples ont dit. Les disciples ont dit quoi? Rabbi, qui a péché? Ah, il doit quelqu'un a péché. Il y a quelqu'un qui a péché. Non, pas qui est né aveugle, il y a quelqu'un qui a péché. L'homme qui est né aveugle de naissance, il y a quelqu'un qui a péché. Je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce que tu transmets, mais quelqu'un a péché. Quelqu'un a péché. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ce que vous souvenez comme mal, c'est le péché qui est la base. Vous devez chercher le péché. Sinon, tu ne vas jamais guérir. Je te dis la vérité. On peut faire une sur ta tête, on peut verser une sur ta tête. Tu ne seras jamais guéri. Jamais. On a pris l'exemple de quelqu'un qui est né comme ça. Lui, on ne sait pas, il est aveugle. Quel genre de péché veut commettre? Posez-vous la question du bébé. Il est né aveugle. Son aveuglement est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être aveugle? Est-ce que bébé mérite d'être aveugle? Non, est-ce que bébé mérite d'être aveugle? Est-ce qu'il mérite, maman? Est-ce qu'il mérite d'être aveugle? Mais il est aveugle. Il est avec lui là. On dit qui a péché? Qui a péché? C'est qui la personne? Qui a péché dans ta vie? Est-ce que c'est toi qui a péché? Qui a péché? Qui a fait que tu ne dois pas? Qui a fait que tout ce que tu t'entoures pas? Et qui a fait qu'on voit les morts? Tu entends quelqu'un crier ton nom la nuit quand tu marches? Qui a péché? Ma soeur, c'est qui a péché? Quelqu'un a péché. Alléluia. Maintenant, on a jeté la personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec. Vous entendez? Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou bien c'est ses parents? Allez, je parle. Entends-toi. La situation. Quelqu'un a péché. Est-ce que c'est toi-même? Il est loin. Ou bien c'est tes parents? Je ne veux pas que tu vois tes parents. Cherche le péché d'abord. Il y a quelqu'un qui a péché. Pas de problème là. Pas de la situation spirituelle que vous avez là. C'est un péché. Arrêtez de chercher ailleurs, s'il vous plaît. Le Seigneur donne la solution aujourd'hui. Arrêtez de chercher ailleurs. Ce qui vous arrive là, c'est le péché qui est ça. Donc il faut qu'on règle le problème de péché. C'est pourquoi nous devons traiter le péché. Amen. Nous allons traiter le péché pendant ce programme. Amen. Et je vais te dire une chose. S'il te plaît, ne faut pas avoir honte.
Attends, tu as honte là. Pas de problème, va te ranger. Le problème ne connaît pas honte. Le problème ne connaît pas honte. Marie ne connaît pas honte. Allez, ma mère, voilà Dana. Alléluia. Donc quand j'allais prendre la pause, Naka, chaque va rentrer en lui de quelqu'un. Mon clé maintenant, il est à chiffler. Pour le réfléchir sa vie. Kata, à ta chine, qu'est-ce que j'ai fait dans ma famille? Tout à coup, osé à côté. Onka, déjà. J'ai fait de faux témoignages. Onka, j'ai arraché des maris déjà. Onka, moi, ça qui est possible. Je me suis prostitué. J'ai commis d'adultère. J'ai menti. J'ai volé. J'ai trompé des gens. Je me suis moqué des gens. Je veux me murmurer pour les gens. Je déteste les gens dans mon cœur. L'enfant qui est un enfant que j'ai ramené, je le maltraite. Mon mari, je lui manque de respect. Ma femme, je lui manque de respect. Moi, je suis un homme. Je suis un homme. Tu as dit Seigneur Jésus. Je viens d'avoir Matri Jésus. Seigneur Jésus. Matri Jésus. Seigneur Jésus. Matri Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Seigneur Jésus. Tu veux me guérir. Il est un cambosse. Tu veux me délivrer. Il est un cambosse. Tu veux me libérer. Il est un cambosse. Et tu veux me bénir. Il est un cambosse. Seigneur Jésus. Matri Jésus. Le péché. Les péchés qui sont dans ma vie. Oh Seigneur, par ton esprit, révèle-moi. Ce qui fait que je ne suis jamais guéri. Ce qui fait que je suis toujours malade. Ce qui fait que mes activités ne marchent pas. Ce qui fait que je ne dors pas la nuit. Ce qui fait que ma vie est bloquée. Seigneur Jésus, parle-moi maintenant. Le péché que j'ai commis et que j'ai oublié et qui est devant moi et qui me combat. Seigneur Jésus, s'il te plaît, dévoile. Seigneur Jésus, je refuse d'avoir honte. Je refuse d'avoir honte de parler de mes péchés de votre trône. Seigneur Jésus, donne-moi la force, donne-moi la capacité de me dénoncer devant toi. Dis ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai fait depuis mon enfance, depuis deux jours. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, révèle-moi, révèle-moi et guéris-moi, guéris-moi. Seigneur Jésus, pitié. Aide-moi. Tout ce qui est caché dans ma vie, dévoile. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Nous avons un programme encore. Amen. Nous avons un programme encore tout à l'heure. Alléluia. Nous avons un programme tout à l'heure. Ce sera un programme de révélation pour chacun de nous. Amen. On aura une projection tout à l'heure. Amen. Une projection sur beaucoup de réalités. Alléluia. Ce qui fait que nous allons prendre un petit moment de retraite, un petit moment de pause. Maintenant, je vous veux vous inviter vraiment, si possible, vous pouvez prendre le moment de jeu. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus seulement pour parler de Jésus. Amen. Car Jésus fort pas un. Nous sommes aussi venus pour vous. Amen. Donc ceux qui ont des situations, des problèmes, demain matin nous serons là. Nous allons vous recevoir. Amen. Amen. Et déjà, tout à l'heure, on sera encore là, 19h30. Là, nous aurons un grand moment de projection. Amen. Et d'enseignement. Amen. Et je vous prierai ce soir, nous allons beaucoup prier. Amen. Nous allons beaucoup prier ce soir. Si tu es malade, je sais que ce programme c'est pour toi. Ne pas arrêter ce programme. Il faut aller faire les besoins de la maison et rapidement. Celle qui doit être préparée pour le mari. Allez préparer à la maison du mari parce que le Seigneur aussi. Aime vraiment la soumission des femmes. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Donc, à deux prophètes de prier, de recommander. Amen. On a oublié ça. On va prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Merci Père pour ces grands moments. Seigneur, que tu as passé avec nous par ton esprit. Seigneur, toi-même, tu as conduit toutes choses en ce lieu. Tu as enseigné, tu as exhorté. Père, tu as béni. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons prendre une pause. Nous te prions, Seigneur Jésus, de maintenir chacun de tes enfants dans ta volonté. Seigneur, je prie et je condamne toute œuvre de l'ennemi. Oui, tentant à empêcher quelqu'un de revenir tout à l'heure à 19h30. Seigneur, je prie, Seigneur, que tous les projets du monde des ténèbres sur la vie de quelqu'un qui va l'empêcher de revenir ce soir, je déclare que tous ces projets sont anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, oui, que tu continues, Seigneur, de maintenir ce zèle dans la vie de chacun tel. Seigneur, maintiens chacun de nous dans ta volonté. Ramène chacun ici encore tout à l'heure. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Sois béni et à tout à l'heure.